Alors, il est 4h30 à peu près du matin et c'est parti pour Vertin. Une petite balade pas improvisée parce que c'était préparé depuis une longue date, on va même dire depuis l'année dernière. Exen m'a rejoint depuis hier soir, comme on avait prévu de partir de bonne heure. Mais malheureusement, C'est le drame. c'est le drame. Il ne fera pas partie du voyage car hier, il a voulu jouer les héros en déplaçant des gros rochers et il s'est bousillé le dos. Donc, il a fait une tentative quand même, hein. Il n'a pas été chien, il est venu, mais ce matin c'est vraiment trop dur pour lui, alors il va se rentrer gentiment à la maison, se reposer. Et ben moi je vous retrouve à Verdun, après environ 2 heures de route, avec le lever de soleil sur la butte du Bourgois. Bonne route, bon retour. Salut. Petite dédicace à Xen, donc je vais commencer par filmer le premier truc qu'on voit sur la butte du Vaucois, des cailloux. Des beaux cailloux avec les explications. Je ne sais pas exactement, ça doit être des pièces de blocos. Je ne sais pas. Pas du tout ce que c'est que ces petites choses. Un petit retour là de la butte du Vaucois, franchement super. Bon bah vous avez vu les trous d'obus, hein, c'est assez impressionnant. Mais alors la visite des tranchées, ouais, il y a des escaliers là donc ça va secouer un peu. La visite des tranchées c'est quand même quelque chose, franchement là rien que pour ça je suis content d'être venu ici voir un petit peu ça. C'est assez émouvant si je puis dire de penser que des gens vivaient comme ça là-dedans, parce que c'est très très étroit, très exigu, très c'est flippant quoi.
Et donc voilà, pour résumer en fait, donc le site il est visitable avec des guides, on peut venir comme ça en entrée libre hein, bien sûr, mais il y a aussi des guides qui viennent faire des visites pour 5 €, c'est pas excessif, ça doit pas durer non plus 3 plombes, et avoir quelques petites explications comme ça en plus, je pense que ça peut être sympa, ça peut apporter un petit plus d'avoir des anecdotes et des infos, quoi. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Récupérer Viking 4, pas de gueuler. Un petit peu moins impressionnant que le. J'ai préféré personnellement la butte du Vaucois. En plus, j'avais fait la connaissance, j'ai rencontré une vieille dame qui s'occupe du site, la trésorière du musée. J'ai eu droit à une visite gratuite du musée. Très gentille, très gentille. Et qui est sympa aussi. Hein. Moi, je sais pas, je suis comme Perceval, j'attire les vieux. Je me mets assis quelque part, j'ai des vieux qui arrivent, ça tombe de partout. Mais voilà, but du beau coin un petit peu mieux. Là, c'est pour la vue qui doit être 1000 fois mieux quand il fait beau. Donc, à revoir peut-être. Et je...
petit retour du fort de Douaumont. C'est une colline avec des trous. C'est impressionnant, bien sûr. Mais bon, là, on commence à avoir l'habitude, quoi. Y a que ça. Okay, je redescends, je remonte, je redescends. Ça fait que ça. Donc, possibilité de visiter l'intérieur du fort et des petits bâtiments qui sont autour. Bien sûr, faut payer. Et bien sûr, le chien n'est pas autorisé à rentrer dedans. Dans un truc en ruine. Je sais pas ce que ça craint, mais bref. Donc, à voir peut-être. C'est peut-être chouette hein, dedans. Il y a pas de raison, mais voilà. Moi, je me suis contenté de l'extérieur. Et je retourne sur mes petits chemins. Bien agréable. Par contre, c'est les montagnes russes. Pas un mètre carré de plat pour planter la tente. Je suis un peu dans la merde. Mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Mon petit rapport du fort de Souville. Des trois forts que j'ai vus, c'est celui qui est peut-être le moins impressionnant. C'est plusieurs bâtiments un petit peu disséminés dans les bois. Et pourtant, c'est celui que je préfère. Car, bah, c'est une belle balade. Contrairement aux autres qui sont dans des grandes plaines où on voit perte de vue, ceux-là, ils sont carrément paumés dans les bois. Et moi et les bois, hein, ça fait un. Allez, je vous reprends plus tard pour la suite de la balade. Zéna, par contre, pour ton fauteuil roulant, il y a une piste cyclable de je sais pas combien de kilomètres de long. Puis, vous voyez les gars, là je pouvais te pousser.
plus en descente là qu'en dans l'autre sens. Parce que là c'est en montée, parce que je suis pas dans le bon sens. Mais normalement c'est dans l'autre sens. Bref. C'était. Petit rapport sur le fort de Souville. Des trois forts que j'ai vus, eh ben, c'est celui qui pète le moins de mines. C'est à Verdun par les mines, c'est peut-être un petit peu. Ouais. Voilà. Petit rapport du fort de merde. Donc mon petit rapport du fort de Souville. C'est des Vikings sur la route. Putain de bordel de merde. Vikings. Ah, mon petit rapport du fort de Souville. Des trois forts que j'ai vus, c'est celui qui est peut-être le moins impressionnant. C'est plusieurs bâtiments un petit peu disséminés dans les bois. Et pourtant, c'est celui que je préfère.